Bien le bonjour les amis, c'est votre youtubeur préféré, oui c'est moi, c'est Zach. On est parti les gars, je change d'intro, ça y est j'en avais marre du yo les gens c'est Zach. J'avais envie d'un peu de nouveauté les amis, du coup c'est parti on y va. On va faire quoi aujourd'hui? On va continuer la carrière avec Rennes, juste avant comme d'habitude. Tu mets un pouce bleu là, tu me mets un... Non je veux pas d'excuses, tu me mets un pouce bleu, tu me mets un commentaire, voilà, là, je te vois tout de suite, là, tu prends ton téléphone, tu prends ton clavier, tu prends ce que tu veux, tu me mets un petit commentaire, tu me dis, ton nouvelle intro, Zach, elle est vraiment incroyable, voilà, voilà ce que tu écris dans les commentaires, tu t'abonnes si c'est pas fait, pareil, je ne veux pas d'excuses, tu t'abonnes, y a aucune excuse, c'est gratuit, frérot, pourquoi tu t'abonnerais pas? C'est gratuit, hein, y a des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, pourquoi, les gars, pourquoi? Je veux savoir pourquoi, abonnez-vous tout de suite, une fois que c'est fait... On va pouvoir commencer la carrière avec Rennes, enfin du moins la continuer. Juste avant, petit aparté, je me fais une petite auto-pub. Ouais, les gars, on a sorti des petites vidéos récemment sur Football Manager. Alors je sais que ma communauté, vous préférez normalement FIFA et tout, mais faites-vous un peu du mal. Vous allez kiffer les vidéos FM, les gars. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion de football je crois que c'est sur console aussi d'ailleurs, j'allais dire que sur PC, mais non, c'est sur console. Mais bref, c'est un jeu de gestion de football bien plus poussé, bien plus réaliste que FIFA. Et on fait plein de petites expériences dessus, c'est vraiment très très cool. Je me bute à fond là-dessus, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire de la simulation, ça prend méga du temps. Et j'ai aussi essayé de faire un gros travail sur les miniatures. Pour rendre les miniatures un petit peu plus belles, un petit peu plus attractives pour vous. Je me suis buté à Photoshop. Alors allez mater ces vidéos, les gars. Allez mater ces vidéos, mettez-moi des petits likes dessus. Parce que, quand même, j'ai bossé. J'ai bossé comme un fou. Comme un fou. Bref, maintenant, une fois que c'est fait, j'arrête un petit peu de vous saouler avec mes petites pubs et tout. On va pouvoir continuer cette carrière avec Rennes. La carrière avec Rennes, les gars, on en était où? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait avec mes petits Rennais, là? Tac tac tac, calendrier, on avait fait quoi? On avait fait, on avait fait 3 belles victoires, les gars, 3 belles victoires. 5-0 contre Metz, 2-0 contre Lens, 2-1 contre Lille. Donc tout ça c'est bon. Et aujourd'hui on joue contre Nantes, on joue contre Villarreal en Europa League et on joue contre Bordeaux. Alors il y a quand même un petit truc qui me fait peur, les gars. C'est que regardez la note entraîneur, hein. Elle est pas non plus hyper haut. C'est un peu le bordel, on est dans le orange, sachant qu'en plus, on est... Ah non, on est deuxième de Ligue 1, je crois. Je crois qu'on est deuxième de Ligue 1. Ah non, on est premier de Ligue 1, non, oui, on a repris la tête, on a même 3 points d'avance. Ça me fait peur, les gars. Si vraiment on choque en Europa League, là, c'est la fin. C'est clairement la fin pour le coach Jack, hein, qui risquerait de se faire virer de Rennes. Ce serait fou, quand même, les gars. Ce serait la toute première fois que je me fais virer dans une carrière où je joue les matchs. La toute première fois, hein. Je fais des carrières depuis FIFA 16. On est sur FIFA 23. Ce serait quand même fou de se faire virer, hein. Et je sais même pas ce que deviendrait la carrière si je me faisais virer. Tiens, bah, ça pourrait aussi ouvrir des portes. Ouvrir des portes, même si bon, je serais le premier dégoûté. Je pense que vous aussi. Bref, je pense qu'on va pouvoir y aller pour ce premier match. Je vais essayer de me mettre dedans là, parce que là, je déconne depuis le début de la vidéo. Là, je vais pas être concentré. Je vais me prendre 6-0 par Nantes et je vais bégayer. Ah oui, si, je voulais revenir aussi sur des petits commentaires. J'ai vu 2-3 commentaires arriver. En me disant, mets la porte ailier gauche, fais-le passer ailier gauche ou ailier droit, parce qu'il a de la vitesse et du dribble, il va prendre des points de général. Les gars, utilisez votre cerveau. On n'est pas que sur du général dans FIFA. Faut pas toujours voir le, oui, il a plus de général, il est plus fort, c'est trop bien. Non, on a Doku, hein, Doku là-bas, on a Sulemana, et vous voulez que je passe la porte ailier gauche, ailier droit, mais il ne jouera jamais, les gars. En plus, il y a même Doué, je suis sûr, il sera plus fort. Sachant qu'en plus, la porte, il est très grand et tout, donc pas vraiment le profil d'un ailier qui va percuter. Et vous voulez que je le mette ailier gauche ou ailier droit? Il va plus jamais jouer, autant le vendre, non, jamais de la vie. C'est soit il est MOC, à la rigueur, on aurait peut-être dû le passer BU, mais maintenant, ça met 15 plombes à le passer BU. Pour ça, c'est un petit peu trop tard. Et de toute façon, même BU, le poste, il est bouché. On a Gouiri, on a Kalimundo. Tous les postes sont bouchés. S'il y a une place pour la porte, c'est au milieu de terrain. Et je pense qu'il est vraiment bien placé en fonction de l'effectif qu'on a actuellement. Voilà ce que le coach Jack vous dit maintenant. Let's go! Affronter Nantes. Faut les fumer. Faut les fumer parce que c'est le derby. Ouais, le gros Maillard qui est retrouvé. Avec Kamaldine Sulemana pour Amine Gouiri qui va pouvoir frapper ses contrées. Let's go! Merci Palois. Oh, Palois le GOAT qui vient contrer cette frappe d'Amine Gouiri pour aller ouvrir le score. Let's go! Il est vraiment très chanceux en ce moment, Amine Gouiri. Il y a tout qui lui réussit. Hein. Même quand il fait pas des matchs de fou, il finit toujours par marquer. Et là, première occasion. La frappe, elle est contrée par,
par Paloise qui surprend et trompe Alban Lafont. C'est dans les cages. Non, il est pas fait, je sais plus s'il fait. Et oui, hein. Bon, alors il ressemble plus à Thomas Deuzer qu'à Paloise, le frérot, mais ça fait 1-0, les gars. Ça fait 1-0 pour. Il le donne. Non, ça par contre, le but il doit être accordé à Mingouri, c'est dégueulasse. Elle était cadrée, je pense, ça frappe. En vrai, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai pas vraiment vu sur le ralenti, mais bon. Dans tous les cas, ça fait 1-0 pour elle. Jérémy Doku, oui, il y a l'appel de Rosier. Rosier qui a vu Amingouri, c'est parfait. Amingouri qui frappe. Wow, la grosse parade d'Alban Lafont. Hein, parce que la frappe d'Amingouri, elle était très très bonne là, les gars. Elle était très très bonne. Et oui, Alban Lafont est un bon gardien. Et quand les frappes ne sont pas contrées, eh bien, là, ça se passe mieux pour lui. On retrouve la porte. La porte qui va dribbler. Oui, let's go. Le 2-0. La percussion d'Edgar Laporte. La finition d'Amingouri. Pourquoi voulez-vous qu'on le change de poste, ce gamin? Il est bien en numéro 10. Il arrive à faire des différences et il fait encore une passe décisive. Hop là, super. Ah, c'est bien, la passe est bonne. La percussion est bonne. Bien, bien, mon petit Edgar Laporte. Qui brille, les gars. Il brille en numéro 10. Il enchaîne des passes décisives et il régale Amingouri. Cette fois-ci, le but lui sera bien attribué. 2-0 dans le derby. Ça sent bon. Attention, parce que ça, j'aime pas quand il joue dans le coin de la surface, là. La frappe, zéro danger. Zéro danger, les gars, tout va bien, tout va bien, tout se passe très bien. Mingouri est exceptionnel en ce moment. Eh oui, Amine est trop fort, il faut le dire. Bon, les gars, fin de la première période, ça se passe très, 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 très bien. Je suis content, mène 2-0 dans ce derby. Tout est merveilleux, tout est magnifique. Tout nous a réussi jusqu'à présent. L'OM qui gagne contre Bordeaux. C'est qui nous mettait un peu la pression? C'est Lyon, hein. C'est l'Olympique Lyonnais. Bon, ils jouent pas. Le Paris Saint-Germain, j'ai pas vu non plus le résultat. Je crois pas qu'ils sont en train de jouer. Nous, pour l'instant, ça se passe bien. Faut continuer comme sur la première période. On domine tranquillement. On est bien. On est bien, on est bien. Là, je sens mes joueurs concernés, mes joueurs impliqués dans ce derby. Et maintenant, on fait pareil en deuxième mi-temps. On ira le remporter, le derby, hein. Allez, c'est bien ça avec Jérémy Doku qu'on n'a pas trop vu jusque-là, la vitesse de Jérémy Doku. Jérémy Doku qui va faire un petit centre. La grande taille, la tête. Oh là là, la porte si proche. Oh bah, on aurait pu prendre le ballon là, Kamaldine. Mais dommage, dommage, la porte tout proche de mettre le troisième but de ce match. Oui, c'est le premier but en faveur des Girondins. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, allez, allez, Edgar Laporte. Non, il est trop nul en finition, les gars. Il est trop nul en finition. Pourtant, il a les deux pieds, il a tout ce qu'il faut. Allez, on l'entraîne, hein, pourtant, les gars. On l'entraîne. Je fais que ça, l'entraîner en finition. Mais on voit qu'il a encore des progrès de zinzin à faire. Dès qu'il va progresser là-dedans, les gars, je peux vous assurer que Laporte, ça va être un monstre. Je savais que ça va être compliqué. J'aurais dû jouer derrière, my bad. My fucking bad, attention les Nantais qui n'ont pas dit leur dernier mot, ça pue, il y a Oscar qui est tout seul, Oscar et la parade de Livakovic. Oui mon Livakovic, parce que même si on domine, un but ça relance absolument tout. Ouais, ça c'est bien récupéré, et Maier, tout de suite, il y a un énorme contrat à jouer là, il y a un énorme contrat à jouer avec Kamaldine qui trouve Kalimuendo, let's go. Oui, ça marche aussi pour Kalimuendo qui est exceptionnel et qui marque aussi très souvent en sortie de banc. Ah, il est bon, hein, titulaire, sortie de banc, les gars. Kalimuendo, très très fort, il est là où il faut. Le contre qui fait très mal au Nantais. Et voilà, Kalimuendo qui laisse aucune chance à Alban Lafont. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, je sais pas, dans son profil sur FIFA, il me fait penser un peu à Ben Yedder, un peu petit et très très vif et tout, j'aime bien. Facilement, allez c'est parti, Rosier qui entame le contre, avec Kalimuendo, pardon. Ouais, tu le remets par-dessus, c'est magnifique, la petite passe, et la porte qui va quand même mettre son but, let's go, oh, les contre-assassins, oh qu'on est redoutable, qu'on fait mal sur contre. Edgar Laporte qui va mettre le 4-0. Let's go. Ah ça fait plaisir les gars d'aller fumer les Nantais. Ça fait quand même très 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 plaisir. Et il me semble qu'au match aller de la première saison, on leur avait aussi mis 4-0, pardon. Et ça fait plaisir Laporte. Ça fait plaisir Laporte. Les gars qui. Ça y est, il brille sous le maillot rennais. Il va sortir là pour la fin de match. Mais ça y est, il brille. Il brille, ça fait plaisir, ça enchaîne les passes ça fait des buts. On est sur une première saison de référence pour Edgar Laporte. Et ça, ça régale. Allez, c'est terminé, let's go les potes. Victoire facile dans le derby. On a détruit les Nantais 4-0.
Match référence. Allez, match référence, que ce soit pour tout le monde, les gars. Vraiment, l'équipe là, elle était très forte. Le milieu, la défense, l'attaque, tout le monde a été super bon. Amine Gouiri a marqué, Kalimuendo a marqué, Edgar Laporte a mis un but et une passe décisive. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Si on regarde un petit peu les performances des joueurs, voilà, Kalimuendo, il est rentré, un but, une passe D aussi. C'est beau, les gars. C'est beau tout ce qui se passe. Vraiment, là, on a nos joueurs qui performent très très bien. Et même la perte de Martin Terrier, elle ne se fait même pas ressentir, les gars. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce qu'on a la relève derrière. On a clairement la relève. On pourrait même perdre encore un buteur. On pourrait même perdre Amine Gouiri. Qu'on serait encore bien, les gars, avec Kalimuendo qui est déjà là pour le remplacer, pour faire du sale. On le sait que ça va fonctionner. C'est nickel. Nickel, super victoire. Il y a Marseille aussi qui a fait une belle victoire. Monaco qui a perdu. Coup dur pour les Monégasques. Tant pis pour eux. Et on a vraiment cool. Cool. Si on regarde le classement, bah attendez, on va juste avancer jusqu'au prochain match parce que le PSG n'a pas joué encore. Est-ce qu'on va prendre plus de 3 points? Nous sommes en retard. Ouais, d'accord, on est en retard. Si tu veux, on a une offre de transfert pour Loïc Badé. Je n'ai pas l'intention de le vendre, honnêtement. Hein, je vais rejeter, les gars. Je vais rejeter, c'est même pas une offre qui m'intéresse en plus. Bam, à Sanchez. Sanchez, il va commencer à râler, les gars. J'étais plutôt en forme. Oh, oui, je pense que tu vas jouer. Je pense qu'il va jouer. On va faire tourner un petit peu. Je vais donner un petit peu plus de temps de jeu au Marie. Mais on va commencer à faire un petit peu tourner tranquillement. Moi je voulais voir du coup le classement de Ligue 1 vite fait parce que c'est important quand même de checker. On a toujours 3 points d'avance donc ils ont joué, ils ont gagné. Bordeaux, qu'est-ce que je raconte? Bordeaux, c'est notre prochain match. Lyon, j'ai l'impression que ça a perdu des points. Lyon, là on a. Bah oui, on a 11 points d'avance. Ah oui, non, Lyon ça craque un petit peu. Ça craque un petit peu de partout. Hein. On sera plus que 2 pour la course au titre. Hein. Il y aura donc le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Sachant qu'on a de très fortes chances de perdre contre le PSG parce qu'ils sont toujours trop forts, hein. Ils sont toujours imbattables quand on les joue. On a cette petite marche d'avance, donc c'est plutôt cool. Bon, là, on va jouer Villarreal. Pour Villarreal, on va, même si tout le monde est en pleine forme, on va faire des petits changements. Je pense que Kalimuendo, il mérite une place de titulaire. J'ai dit que j'allais faire jouer Sanchez, let's go. Sanchez va jouer sur ce match-là. Tiens, on va mettre Badé sur le banc au cas où on fait des petits changements. Et j'ai aussi envie de donner une petite place de titulaire à Trossard. Hein. Pas que Souleymana est pas bon, au contraire, Souleymana est incroyable. Bon, on va le laisser un petit peu se reposer. Je le ferai jouer sûrement au retour si besoin. Et il sera là pour Bordeaux, pour nous aider en Ligue 1. Parce que l'objectif, il sera là aussi, les gars. Hein, c'est de tenir nos 3 points d'avance et de peut-être réussir, à être champion. Ce serait beau. Ce serait beau d'être champion avec cette équipe. Il n'y a pas de folie, les gars. Il n'y a pas de folie. On a quand même des très bons joueurs. Hein. Amine Gouiri qui a évolué de fou. Il a 87 de général. Kalimuendo 85. Ça a super bien évolué. On a le petit Laporte. En vrai, il a que 78 de général, les gars, Laporte. Hein. Il a des stats de tir et de passe un peu merdiques. Hein. Donc, oui, il est vrai. Il est vrai. Vous avez raison. Si je le passais sur le côté, vu que ses points forts, c'est vitesse et dribble, il prendrait du point. Mais vous inquiétez pas. Il va progresser. Il va progresser, le petit Laporte. Il va progresser. Ça va devenir une machine de guerre. Allez, on y va contre le sous-marin jaune. Ouais, Jérémy Doku, il est tellement facile, balle au pied, Jérémy Doku, il a encore fait des différences, va pouvoir donner à Lovro-Mayer, Lovro-Mayer pour Trossard, avec Lovro-Mayer qui est retrouvé, ouais c'est pas mal ça avec Jérémy Doku, en position de frappe, la frappe elle est sans problème, c'est dommage non, c'est une belle occasion mais elle est sans problème cette frappe pour Jérémy Morli, on peut bien écarter jusqu'à Adrien Truffert. Le Stade Rennais avec le ballon. Trossard. Oui, ça c'est super. C'est superbement bien fait avec Lovro-Mayer maintenant qui va donner le but. Arnaud Kalimuendo. Oh oui. Mais quelle équipe, les gars. Quelle équipe en ce moment, c'est incroyable. Hein. On a un niveau de jeu. Vraiment, l'action est belle. Quelle passe de la part de Trossard pour trouver Truffert. Et derrière, après, le décalage était fait. Hein. On a juste à faire 2 petites passes. Tac, tac, on décale 2 fois. Et Kalimuendo se trouve encore une fois en position de. 2 buts faciles et il va encore marquer, voilà, tout simplement, il va encore marquer. Ça n'arrête pas lui non plus, hein. Ça n'arrête pas les gars, c'est son combien de but? C'est son 8e but en 7 matchs d'Europa League. Ah, il est intenable Arnaud Kalimuendo. À mi-temps les gars, à mi-temps on mène 1-0 sur le but encore de Kalimuendo qui régale vraiment le niveau de jeu, là il est très très bon. Par contre, il n'y a qu'un but d'écart, donc il faut faire attention. Il faut toujours rester très solide défensivement. On sait que ça peut partir en sbeul à n'importe quel moment. Mais on est bien là, on est très très bien, ça promet. J'espère ne pas me porter la poisse, mais ça promet un très bon épisode, ça. Ça va sûrement essayer de déclencher une frappe. Il n'y a pas un petit hors-jeu, là. Enfin, il a bien joué. Oh là là, Livakovic. Oh là là, le double poteau. Oh, c'est incroyable. Non, mais Livakovic, il a fait une parade exceptionnelle.
On s'en rend pas compte là les gars, mais il vient de faire une parade d'une classe absolument mondiale. Hein. Oh merci Livakovic qui lui aussi se met au niveau de toute l'équipe, tout le monde est exceptionnel. Et là il y a l'appel magnifique de la part de Trossard. Allez Leandro Trossard, il est passé. Allez tu peux donner à Jérémy Doku, c'est magnifique. Oh qui va faire mal ce but à Villarreal les gars. Oh qui va faire mal, ils ont mis un double poteau il y a deux minutes même pas. Et le contre derrière avec Trossard. Ah il est bon aussi Leandro Trossard, hein. Il est très très beau. Et là il a fait la différence. Hein. Ah c'est beau les gars ce qu'on a vu, c'est très très beau. Regardez, Trossard qui vient ici, qui va passer devant le joueur et la passe. Après bon, on en parle de l'alignement de Villarreal les gars. Est-ce qu'on parle de l'alignement de Villarreal hein? Allons voir ça de plus près les gars, l'alignement de Villarreal. Hein. Ouais, on peut voir la vue, il n'y a pas une vue plus dézoomée. Attendez, je cherche la vue partout, oui voilà. Voilà, hop on cache ça, voilà l'alignement de Villarreal les gars. Voilà l'alignement, ah, très 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 bel alignement. C'est qui? C'est le numéro 16 là-bas, je crois, là. Ah, magnifique, hein. Ça va, tu couvres pas tout le hors-jeu, c'est ça qui est bien. Mais c'est aussi l'appel de Kalimuendo qui fait ça. Hein. Il se sent obligé de suivre Kalimuendo, du coup, il couvre absolument tout, mais c'est quand même très nul. Très, très nul comme alignement, et on en profite 2-0. Let's go, les boys! Ça va jouer sur le côté. Il n'y a pas d'hors-jeu, là, il n'y a pas d'hors-jeu, on s'est mal aligné, nous aussi. Oui, il est hors jeu quand même, oui, abuse pas frérot, abusez pas, il est hors jeu de 600 mètres là, n'abusons pas des bonnes choses quand même, n'abusons pas, non mais frère, regarde-moi le hors jeu de Zinzin, oh, pas si Zinzin que ça finalement, pas si Zinzin que ça, j'ai l'impression vu que la balle était lente qu'il était hors jeu de beaucoup plus, ça nous met un petit peu dans la sauce, allez Sanchez encore, let's go, ça défend parfaitement bien et Désiré Doué pour le contre. Oh oui. Oh oui. Quel appel de Désiré Doué. Vas-y mon garçon. Oh oui. Let's go. Non, il est hors jeu. Ah, mais je me disais bien, il m'a fait un placement un petit peu bizarre à Kalimuendo. C'est dommage. Hein, sur le contrôle, il avait éliminé le gardien. Ah, et il disparaît. Wow, c'est une agression. Là, on se fait agresser par le jeu. Ouais, mais Ah, tu fais un mauvais appel là, Kalimuendo. Là, regarde où t'es placé. Tu dois être un peu en retrait, frérot. C'est dommage. C'est dommage, le 3-0, ça nous aurait quasiment voilà, assuré la qualification. Oh, facile. Facilement récupéré par Truffert. Et il y a des espaces maintenant pour le 3-0. Ah, est-ce qu'il est hors-jeu? Il n'a pas l'air d'être signalé hors-jeu, Mathis Aveline. Il n'est pas signalé hors-jeu. Bam, le 3-0. Et quel beau but, les gars. Quel beau but. Alors qu'il fait le beau gosse devant une ramasseuse de balles ou une stadière, j'ai pas vu. Mathis Aveline. Let's go. Mais si même lui se met à briller, les gars, on met toute l'équipe. Ah, on est tous exceptionnels. Hein. Et la finition, elle est propre. Hein. La finition, elle est très très propre. Bien joué, mon petit Matisse. C'est bon, les gars. C'est très très bon pour nous. La victoire 3-0. Tout nous réussit merveilleusement bien. On détruit le sous-marin jaune chez eux. Et on va clairement prendre une très grosse option pour la qualification. Fin du match. Victoire 3-0. Oh, ça régale, les gars. Ça régale, c'est fou, il faut profiter hein, parce que cette carrière, on a eu quand même pas mal de moments de galère, pas mal de moments de doute. Et là, pour le coup, ça se passe très, 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 très bien. J'espère que ça va continuer comme ça encore très longtemps. Hein. On l'espère fortement. Allez, on enchaîne, match contre Bordeaux pour terminer cet épisode. Bordeaux qui font partie du bas du classement, hein, qui joue pour sa survie, il me semble que les Bordelais... ils sont 15e quand même. Ils sont 15e, mais ils ont que 3 points d'avance sur le 18e. Donc attention, sachant qu'en plus il y a 4 descentes, à faire attention. C'est toujours très compliqué pour le Paris FC MS. Hein. Seulement 15 points les deux équipes. Waouh. En tout cas, les amis, allons partir pour le prochain match. Et on espère que ça va continuer comme ça. Hein. On va récupérer presque tout le monde. Allez, on va faire un petit changement vu que la Mayer... Ah mais Bourigeaud... Non, Bourigeaud n'est pas fatigué. Bon, on va faire jouer Bourigeaud. Titulaire sur ce match-là au milieu de terrain. On va repartir avec Omari, Théa, Truffert, Rosier, Livakovic. Allez, un petit Hugo Choukou titulaire. Il mérite, il a fait des bons matchs, des bonnes rentrées. Et let's go. On y va comme ça. On est prêt à détruire les Bordelais. Et la porte. Avec Amine Gouiri. Qui retrouve la porte, c'est bien. La porte qui frappe. Oh, c'est une belle frappe, les gars. C'était pas évident. Il y avait deux joueurs devant lui. Et il a tenté quand même. C'est une belle parade du gardien. Allez, c'est Benjamin Bourigeaud qui va tirer le corner. La tête de Théâtre et la. L'énorme parade de Rouillard. Je sais pas qui c'est Rouillard, mais il a fait une très grosse parade. Hein. Allez, deuxième chance sur ce corner. Théâtre encore une fois.
et cette tête va. Premier but. Parfait, parfait. Allez, Kamaldine Souleymana. Il y a énormément d'espace pour Kamaldine dans l'axe du terrain. Kamaldine qui profite peut-être des appels. Kamaldine va donner à Benjamin Bourigeaud qui frappe. Oh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin cette frappe de Benjamin Bourigeaud. Mais pour l'instant, les Bordelais, ils arrivent quand même à nous tenir. Hein. On approche de la mi-temps. Et on n'a pas marqué, les gars. Attention, ça s'est bien joué la frappe. Ok, on a eu un petit peu peur, c'était une belle frappe, mais Livakovic, il est présent. Bon, mi-temps 0-0, match où on se sent à l'aise, on se sent supérieur évidemment, on joue contre Bordeaux qui n'est pas non plus une référence dans cette Ligue 1, mais 0-0, hein, pour l'instant ils nous tiennent bien quand même. Hein. Ils nous tiennent bien, on n'a pas eu d'occasion méga supra franche. Donc il va falloir donner un petit peu plus dans cette deuxième période pour aller prendre 3 points, parce que pour l'instant le PSG est en train de gagner et il pourrait revenir à un petit point si jamais on venait à ne pas gagner ce match, voire même à égalité de points si on venait à le perdre. Il peut leur donner le oui, allez pour la porte. Allez mon petit Laporte, il faut finir là. Il faut finir, let's go. Edgar Laporte, il marque encore. Oui mon petit Edgar, ah, c'est son épisode les gars. C'est son épisode, ah, il nous régale. J'espère qu'il vous régale aussi. En tout cas, Arène il régale. Et là, voilà les progrès en finition. Il y a encore quelques temps, celle-là il nous la foutait au-dessus du stade. Il nous la foutait sur le parking et il pétait un pare-brise. Là il nous la met bien petit filet. Let's go mon petit Edgar. Et mauvais pied je crois, parce qu'il n'est pas gaucher, hein, je crois pas. 7ème but, c'est propre, ça progresse. Il a que 18 ans les gars, hein. Je crois qu'il va verser 19, mais il n'a que 18 ans, ou il a peut-être eu 19, mais en tout cas il est encore très très jeune ce joueur, c'est ça qui est beau. Bourigeaud qui va pouvoir trouver Souleymana, pour Amine Gouiri qui a un espace monstre. Amine Gouiri, oh, il a mis 20 ans à tirer mais il va marquer quand même. Ah, il m'a fait peur, mais Amine Gouiri facile. Un petit peu trop attendu, mais il va encore marquer un but lui aussi. Hein. Amine, c'est fou, hein. Cette saison, Amine, je le vois quasiment jamais. Mais il est toujours là pour mettre son petit but. La marque des grands, les gars. La marque des grands, c'est-à-dire que des fois, tu passes un petit peu à compter de ton match. D'ailleurs, il va sortir juste avant de sortir. Hein. Je crois qu'il a entendu l'info qu'il allait sortir. Il s'est dit, attends, frérot, faut que je mette un but. Hein. Faut que je mette un but, j'ai un trophée de meilleur buteur à aller chercher. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que ouais, la marque des grands, on le voit pas trop. Et puis il décide direct d'aller faire mal et d'aller marquer un but. Et là, pourquoi pas, il y a danger, ça c'est bien fait. Avec Doué qui va centrer, c'est compliqué vers Kalimundo quand même. Non, faut pas qu'il passe là. Attention à ce centre. Oh non, on va prendre le but. Ah, je suis dégoûté les gars. On avait peut-être un épisode sans prendre de but, mais pourtant Livakovic, il peut encore faire un arrêt de fou. Hein. Livakovic, il va encore faire un arrêt de fou. Il la pousse sur la barre sur la première ici. C'est un arrêt de fou qu'il fait ici. Hein. Malheureusement, bon, ça a été bien suivi. Notre défense un petit peu à l'arrêt. On était peut-être un peu trop facile. On voyait déjà la fin du match. Et Bakou en a profité pour marquer. Attention, parce qu'il reste encore un petit peu de temps. Pas non plus qu'une dinguerie arrive. Hein. Voilà, fais l'appel, mon petit Kamaldine. Et il va rentrer dans la surface, Kamaldine. Kamaldine, il va trouver Doué. Oh, et la parade du gardien de Bordeaux qui empêche Désiré Doué d'aller mettre son petit but. Quel dommage. Oh, ça va être récupéré, ça. Ça va être récupéré. Oh non, mon petit Edgar. Terminé, les gars, victoire. Let's go, on prend le plein de points, le plein de victoires aujourd'hui. Que des victoires. Magnifique, les gars. Magnifique. Et Edgar était très bon. Edgar était très, très bon aujourd'hui. Je suis fier de lui. Il progresse tous les jours et il devient de plus en plus fort. Et je suis content. Ça a été quand même au niveau du score un peu léger. Mais victoire quand même. Nice a gagné. Marseille a gagné. Paris a gagné. Tout le monde a gagné. Le classement restera inchangé. Et nous, ça va enchaîner. Hein. Ça va enchaîner les gros matchs. Hein. Le prochain épisode. Ça enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? On a les rapports mensuels qui arrivent. Peut-être une petite pépitasse. Ça ferait plaisir. Qui est appelé en équipe nationale? On a Kalimundo et Rosier avec la France. Pas Amine Gouiri. C'est surprenant. Kamaldine Souleymana avec le Ghana. Et Leandro Trossard avec la Belgique. Voyons voir un petit peu les rapports. On prend que l'élite, hein, bien évidemment, les gars. On prend que l'élite, donc que les joueurs à fort potentiel, avec une forte valeur. Pour l'instant, c'était de la merde. En Argentine, je crois que c'est les premiers rapports du côté de l'Argentine. Non, on est sur des joueurs vraiment pas bons.
Ouais, non, rien du côté de l'Argentine et c'est la France ici, ouais. La France, on a déjà eu Edgar Laporte, on a eu quelques petits joueurs comme Aubert aussi. Est-ce qu'on en aura d'autres? On verra pour l'instant. Ça n'a pas l'air. Ouh, un petit 1 million 100 000. Léo Michel, un gardien. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas fameux, mais on va dire qu'à plus d'un million, on va quand même prendre les joueurs. Là, c'est pas ici que je vais aller. On va quand même les prendre. Il y a plus d'un million quand même. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Il a quand même 62 de général déjà. Le petit Léo Michel. Il a 5 étoiles de mauvais pied. Et il a un blaze éclaté au sol. Oui, il faut le dire. Hein, vraiment, les blazes pour les Français dans le jeu, ça pue la merde. Par contre, oui, placement 48. Il va falloir augmenter ça. Mais je sais pas pourquoi. Hein, les noms aléatoires dans le jeu, là, Léo Michel. Ils ont que des blazes comme ça. Léo Michel, Jean-Patrick Bernard. Voilà, genre des Gilles Daniel. Ils mettent que des prénoms. Hector Gillet. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En vrai, les gars, Olivier Blanchard. Non, mais vraiment que des. Allez, je vais un peu dégager les joueurs un peu nuls. Hein. Gilles Daniel, il est nul. Je sais pas pourquoi je le garde. Urs Fontana, on est en train de changer de poste. Mais il va être nul dans tous les cas. Wagner, bah, on a déjà mieux. Donc Wagner, ça saute. Et Yann Mayer, je le change pas de poste, il est nul. Allez hop, on saute tout ça. Et Gilet, il est nul aussi. On va juste garder les meilleurs. Lui, j'ai attendu son changement de poste. Mais bon, je pense que dans tous les cas, il sera pas très très bon. Du coup, petit classement quand même pour terminer cet épisode, les amis. Allons voir le classement de Ligue 1 Uber Eats. On sait qu'on est toujours premier avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ça se passe très bien, les gars. 72 buts marqués. Hein. Quelle attaque de feu on a avec le Stade Rennais. 30 buts encaissés. C'est mieux que les années précédentes. C'est mieux, mais on peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire, mais on est sur le meilleur là. On n'a pas pris beaucoup de buts. Hein. Je crois que ces derniers temps, on prend pas trop de buts. C'est cool. Du coup, Lyon est très loin. Nice est très loin. Donc là, vraiment, les gars, si on ne joue pas, il reste 10 matchs. Hein. Il reste 10 matchs. Si on ne joue pas la Ligue des Champions, j'arrête tout, je démissionne. Hein. On a 11 points d'avance sur Lyon et Nice. Si on n'arrive pas avec 11 points d'avance et en 10 journées à rester devant, c'est que c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué pour nous. Brest 7ème, c'est propre. Hein. Brest 7ème, c'est propre. 6ème place pour le Racing Club de Lens. On a Monaco 8ème, c'est un peu décevant hein, pour Monaco. Lille 12ème, c'est pas fou. Dans le bas de classement, ça change pas énormément. Même si ça se resserre quand même. 3, Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne. Même le stade de Reims et Auxerre. Attention, attention, attention à ce qui peut se passer. Hein. Attention à ce qui peut se passer. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder autre chose, je ne sais plus. Oui, si! Je voulais regarder, je crois que je l'avais déjà regardé il n'y a pas longtemps, mais on va re-regarder le classement de Ligue 2. Moi, j'aime bien regarder quand même ce qui se passe en Ligue 2, je le regarde quand même rarement. Merde. En Ligue 2, quand même, voir qui seraient les potentiels promus, en espérant qu'on ait une petite surprise. Bon, pour l'instant, Lorient, Angers, Le Havre, Ajaccio. Bon, Ajaccio, on les a déjà vus, donc on n'a pas envie de les revoir. Le Havre, ça changerait un petit peu. Angers, Lorient, ils sont aussi descendus l'année dernière, mais bon, logique, hein. Lorient, c'est logique qu'ils remontent. Je pense qu'ils sont nettement au-dessus. Et c'est un peu plus compliqué. Ouais. En plus, je crois qu'il n'y a pas de barrage. Hein. Il y en a 4 qui descendent, il y en a 4 qui montent. Hein. On n'a plus de barrage hein, parce que EA Sports est incapable de faire les vraies règles, hein. Incapable de faire un truc où la Ligue 1 passe à 18 après une première année. Malheureusement pour eux, c'est trop compliqué, ça, hein, dans la ligne de code. Donc, ouais, pourquoi pas Guingamp, qui est pas loin de la montée. Niort aussi, ce serait bien Niort. J'avoue, Niort, serait très surprenant de les voir monter. Clermont, c'est une catastrophe leur saison. Sochaux, j'aurais bien voulu les voir monter aussi. Des équipes un peu comme Grenoble, Valenciennes, des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Annecy, bon, Annecy, ça m'étonnerait qu'on les voit un jour en Ligue 1. Dernière chose que je veux regarder avant de mettre fin à cet épisode, les amis. C'est le meilleur buteur, je pense que du coup, Guiri. Hein. Eh, mais on a quand même Suarez, les gars. Hein. Suarez qui fait une très grosse saison avec l'OM, 24 buts pour lui, tout comme Amine Guiri, c'est très très fort. Et 13 buts pour Kalimuendo qui joue remplaçant la plupart des matchs, c'est bien aussi. Hein. C'est bien ce que nous fait Kalimuendo et Guiri. Et Laporte, les gars, co-meilleur passeur du championnat avec Amine. C'est propre, ça, les gars. Et je pense que s'il continue comme ça, il va clairement lui passer devant. Et ça fait plaisir. Et ce serait bien qu'il gagne un petit trophée comme ça, le frérot Laporte. Hein. Est-ce que c'est le meilleur passeur du club? Peut-être que toute compétition confondue. Non, ça reste Lamine quand même, hein, mais il n'est pas très loin avec 14 passes D. Hein. Il n'est pas très loin avec 14 passes D. Il a pris plus de cette saison. Il en est où un petit peu de son plan de développement là? T'en es où mon frérot? Dans 2 semaines, ça va progresser. Ouais, il a encore que 63 de finition et tout. C'est encore très léger. Hein. En plus, ça augmente quand même encore un peu les dribbles, ça. Hein. J'avoue qu'il faudrait monter un peu sa réactivité et son calme. Hein.
ce serait bien d'augmenter ça. L'équilibre aussi, c'est là où il est un petit peu plus faible. Un peu de passe aussi, forcément, il est émoussé. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à lui faire progresser. Hein. Il y a beaucoup de choses à lui faire progresser, mais bon, écoutez, dans 2 semaines, il va progresser. On va taffer un peu les tirs. Il a que. Du coup, il a quel âge? Il a 18 ans. Ouais, il a encore que 18 ans, les gars. Il a encore que 18 ans, donc on a encore le temps de le façonner. Allez! On va se laisser ici, les potes. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, eh ben vas-y, frérot, mets ton pouce bleu, régale-moi. N'oubliez pas d'aller voir les petites nouvelles vidéos sur FM. Même si vous vous dites, ouais, Football Manager, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Vous allez kiffer, les gars. Hein, je vous les mets peut-être en description, les vidéos. Je vous les mets, toute façon. Et tu vas sur ma chaîne, tu cliques et elles sont là. Donc n'hésite pas. N'hésite pas, frérot. Et moi, ça me soutient de fou et ça m'aide et ça me donne envie de continuer aussi. Hein, quand je vois que vous kiffez un petit peu les nouveaux contenus. Et ça change de FIFA. Ça fait du bien, les gars. Ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur FIFA. Que FIFA, FIFA, FIFA. Un peu de changement, ça fait du bien à tout le monde. Et surtout à moi. Allez, aussi, petit commentaire. Comme d'habitude, le référencement, tu connais. Petit abonnement, on veut les 30 000. Tu connais aussi. Nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, les gars. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens.